Namasté les divines et les divins. Voilà votre nouvel horoscope pour la semaine du 15 février. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end spécial Saint-Valentin s'est bien passé également, et que les petites vidéos vous ont permis de vous aider ou de vous renseigner. Comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, à peu près plus d'une vingtaine, 24 je crois, de vos abonnés. Apparemment, l'horoscope de la semaine dernière vous a énormément plu, puisque j'ai eu plus de 700 vues supplémentaires par rapport à la semaine d'avant. Donc en tant qu'amateur, ça fait toujours plaisir d'avoir plus de vues, de partages, de likes et puis de nouveaux abonnés. Donc voilà, pour cette semaine, je me suis inspiré du tarot onirique, puisque apparemment la semaine dernière ça avait pas mal fonctionné, donc je vais continuer avec celui-là pour l'instant, et aussi l'oracle des animaux sauvages, toujours pour le petit message spirituel, ça y est je vais le dire, et donc voilà. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais que je me répète, mais bon, c'est toujours bon de le signaler pour pas non plus les nouvelles sont pas spécialement bonnes, de prendre ça plus à la légère. Hein. Donc, il n'y a rien de fixe. Hein. Chacun prend ce qu'il concerne. Et puis, bon, selon les signes, bon, voilà, ça peut. Comme je dis toujours, deux lions ne réagiront pas pareil pour une même phrase. Mais parfois, un mot, une phrase, une ambiance peut vous inspirer des émotions, des solutions, j'espère. Donc, voilà. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant. Je sais que je le répète souvent, mais ça peut être important pour un complément d'information ou justement, quand celui du signe principal ne vous convient pas, eh ben, sans doute que l'ascendant peut vous renseigner. Donc voilà. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Pour ceux qui sont en vacances, eh ben, bonnes vacances. Et profitez-en pour vous ressourcer, pour reprendre des énergies. Si vous pouvez profiter de la nature où vous soyez, faites-le, parce que je crois que c'est un des meilleurs remèdes pour garder le moral et la santé. Ça paraît pas comme ça, mais ne serait-ce qu'enlacer un arbre, marcher dans la campagne, ça fait beaucoup de bien à votre corps et à votre esprit, et surtout à votre âme. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute pour les prévisions de cette semaine. Et à très bientôt, et encore merci beaucoup. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons eu au tirage des cartes un très beau coyote. Et pour les cartes du tarot onirique, nous avons eu le 6 de bâton, la lune, et pour terminer, le 3 de bâton. Voilà. Alors pour vous, cette semaine, les bélières et les béliers, je pense qu'on est un petit peu aussi dans la continuité de la semaine dernière, donc évidemment, tout ne se fait pas en un jour, donc parfois, c'est normal que d'une semaine à l'autre, ça se répète un petit peu. Donc là, vous êtes toujours dans ce fameux changement créateur, un nouveau cycle, une sorte d'évolution. Il y a du changement, mais pour le mieux. Mais attention de pas trop non plus de vous faire d'illusions. Faut pas non plus, comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs et d'aller trop vite, de voir trop loin quand même. Donc chaque chose en son temps, chaque étape après étape. Et voilà, donc on a l'impression qu'en même temps, il y a ce changement-là, mais vous attendez un petit peu pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans votre victoire, dans vos bons moments, dans votre réussite, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, on a l'impression que ce changement-là vous fait un petit peu peur quand même, ce renouveau. Et vous attendez un petit peu pour voir quels sont les vrais signes. Vous attendez peut-être aussi des réponses tout simplement, suite à un dossier, un accord, enfin, quoi que ce soit le domaine. Et en même temps, je pense que vous êtes prêt
un peu aussi à rejouer certaines choses, la même chose, pour être sûr d'aller où vous voulez et surtout de gagner, d'atteindre votre but. Donc, il y a un petit peu une petite peur d'avancer dans quelque chose de nouveau. Donc, vous restez un petit peu dans vos zones de confort. Donc, après, à vous de voir s'il faut en sortir ou pas. Mais pour l'instant, cette façon de faire, de travailler, de votre relationnel avec, que ce soit dans le domaine du travail ou de la famille ou autre, pour l'instant, c'est ce qui vous convient le mieux. Donc, à la rigueur, pourquoi ne pas continuer quelque chose qui est gagnant, je dirais pas d'avance, mais presque. Donc voilà, pour cette semaine, les béliers et les bélières, continuez sur votre lancée et créez, changez, faites un peu ce qui vous plaît, hein. Je pense que ça va être un petit peu le mot d'ordre. Voilà pour vous, les béliers et les bélières. Namasté.